Hey, 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 salut mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Speed Build. Alors aujourd'hui, je vous présente un parc. J'ai manqué un peu d'imagination puisque je l'ai appelé le parc de la Fontaine. Et je suis partie essentiellement de l'idée de vouloir, voilà, une espèce de terrasse centrale arrondie avec une fontaine au milieu et des allées qui en partaient comme ça des quatre côtés, enfin des côtés d'un rond, il n'y en a pas, mais bon, on se comprend. Et voilà, je voulais juste partir de là-dessus et après, je ne savais pas quoi faire, donc j'ai un peu fait un peu tout, mais finalement, je suis assez fière de ce que j'ai fait. Donc là, c'était un peu galère, parce que j'ai surélevé tout de suite le centre là, et ça voulait pas, en plus ça faisait un bug, un vilain bug là, avec le envoyer le ciel par en dessous, enfin tout ça. Je pense que j'ai un peu abusé des terrasses arrondies, le jeu n'était pas content, mais bon, en rajoutant les petites fondations de couleur de fondation, ça passait. Ensuite, j'ai trouvé quand même une jolie couleur de pierre qui vont être partout pour les allées, voilà, comme vous voyez maintenant, pour les allées du parc, très jolie, avec qui se marie très bien avec les palissades un peu marron clair. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire un truc un peu après avoir fait le truc central, d'avoir des allées qui tournent autour de ce truc central. Et alors, bon, j'ai un peu galéré parce que je voulais que ce soit symétrique, hein. Donc là, forcément, j'ai un peu galéré. Et puis, je me suis dit, ok, bon, j'ai compris. Et puis, en plus, je vais faire plutôt une pièce. Comme ça, la pièce, je vais pouvoir la copier, hein. Voilà. Et la foutre des quatre côtés, ça ira beaucoup plus vite. Ensuite, je supprime les murs, je supprime le toit. Et je remplace avec les dalles de pierre comme le centre. Et j'ai refait effectivement pour la même chose pour les quatre allées. Puis je me dis voilà, en plus c'est vrai que ben, je peux faire les fondations ressortir un petit peu, mais juste un petit peu en fait. Ça c'est les fondations les plus basses possibles. En fait il n'y a pas besoin d'escalier. Et comme je voulais pas forcément d'escalier parce que les Sims sont assez longs à faire les escaliers. Et pour éventuellement les bugs qui pouvaient se produire, j'ai commencé à foutre de la fougère un peu partout autour. Bon, malheureusement pour moi, j'ai ce souci de vouloir un peu que ce soit symétrique dans le sens où je voulais pas faire que ce soit des feuilles hein, et des fleurs différentes. Donc j'ai collé la même chose aux quatre arrondis. Voilà. Ah, ça, c'est un souci du détail. Mais le rendu est plutôt pas mal. Et alors c'est vrai que j'ai foutu un petit jet d'eau au centre de la fontaine. Donc ça donne un petit effet éclaboussé quand on y va. Alors j'ai essayé de me dire, tiens, est-ce que je mettrais pas un truc de fontaine comme ça? Mais finalement je ne l'aurais pas inclus. Alors on va passer au premier bâtiment en dur que je commençais avec une forme chelou. Puis finalement je me suis dit, ok, on va faire un truc beaucoup plus simple. Là après je me suis dit, bon, on va faire une terrasse. En fait je voulais faire un truc comme dans Magnolia, le parc Magnolia je crois. Un truc comme ça, où en fait c'est pour mettre les toilettes tout simplement. J'aurais pu mettre le petit truc de toilette prédéfini qu'on a qui se balade un peu partout en ville, mais non, là j'ai voulu faire un vrai truc toilette, alors j'ai fait un peu un truc avec une forme un peu bizarre. J'ai surtout galéré à faire le toit, je voulais que voilà, avec mes deux colonnes et tout, que ce soit joli, mais j'ai surtout galéré. Surtout pour ce qui est de la frise. En fait, à un moment donné, je vais coller une frise, ça va le faire, sauf qu'après, je vais revenir dessus. C'est une catastrophe. Alors, j'ai mis un espèce de fauteuil, histoire que si les quatre toilettes sont prises en même temps, on attende tranquillement notre tour. Donc, au moins, il y a directement le lavabo avec dans les toilettes. C'est vrai que d'habitude, je mets une douche aussi, mais là, j'ai préféré pas en mettre. Je me suis dit que ça ne servait pas à grand-chose au final. Des fenêtres, évidemment, pour qu'on y voit bien quelque chose la journée. Une porte vitrée, vite fait du carrelage blanc, un petit tapis et de la peinture blanche. Et là, on va s'attaquer un peu à autre chose. Alors, pour ce parc, du coup, comme j'avais divisé en aires, en diverses parties, je me suis dit pourquoi pas en fait donner une thématique à chaque partie. Vous voyez là, j'ai fait, ah bah là ce sera plus pour les enfants. Donc les balançoires, les cages à poules. Et je me suis dit, ah mais oui, tant qu'à faire pour les enfants, autant faire carrément
Oui, j'ai placé une petite truc de patinoire, effectivement. Hein. On va pas. Voilà, on va en profiter. Donc, je me suis dit, donc, pourquoi pas faire carrément un truc pour les bambins. Vraiment un petit bac à sable spécial bambin avec cette espèce de structure énorme que je n'ai jamais utilisée. Et alors, voilà, après, j'ai un peu aussi, encore une fois, galéré avec les barrières. Donc, c'est la barrière spéciale du kit bambin. Hein. Mais je voulais faire un joli arc-en-ciel comme j'avais déjà vu sur internet. Et bah, il fallait juste que je trouve le bon ordre des couleurs, je me suis dit bah non, j'y arrive pas, donc vous voyez, j'arrête pas de reprendre les couleurs, ça. Puis finalement, j'y arrive. Voilà, je me suis dit, allez, hop, il y en a marre, voilà, j'ai trouvé la bonne combinaison, je la copie-colle un peu partout. Et on arrive à un truc vachement coloré. Alors c'est que cet endroit-là est hyper coloré. Et alors que j'ai mis le meuble, enfin le meuble, ouais, le truc en pas coloré du tout en fait. Donc j'ai remis un petit toboggan. Et un petit truc de balle machin muc-muc avec le sol en sable. C'est dommage que ce ne soit pas du vrai sable. Hein, peut-être qu'ils vont le développer, qui sait, un vrai sable avec bac à sable. On a déjà la petite piscine pour bambins, pourquoi pas le petit bac à sable où les enfants ils pourront manger le sable. Hein, ça pourrait être marrant. Alors là, je cherche désespérément ça, voilà, cette espèce de tenture là que je ne trouve absolument jamais. Je sais pas où elle se cache. Ça m'angoisse à chaque fois. Mais bon, là, j'ai réussi à le choper. Je suis contente. J'ai foutu quelques petits machins, des petits ballons. Je replace vite fait les cages à poules ou les pseudo-cages à poules. Une maison de poupée dans le pack à sable aussi pour les bambins. Je replace les balançoires qui vont encore bouger de place par la suite. Hein. Je place deux bancs pour que les petites mamans ou les petits papas qui viennent avec leurs petits bambins puissent se poser tout en regardant leurs enfants jouer. Hein? Un peu comme dans la vraie vie. Puis je me suis dit, oh, ça fait trop plat. Allez, je vais ajouter des fougères un peu là, dans tous les coins. Voilà, donc je commence à faire le coin. Alors ça, c'est le coin plus pique-nique avec les barbecues. Hein. Vous allez voir, il sera un peu plus élaboré. Mais pas tant que ça, en fait. C'est un truc qui est assez vaste. Hein. C'est un terrain 64 pour 64. Et j'ai voulu laisser quand même les parties, en fait, dédiées, par exemple, au pique-nique ou à... au jeu assez vaste aussi, parce que je me dis s'il y a beaucoup de monde, c'est pas plus mal parce que comme ça on aura de la place. Donc c'était trop vert, donc j'ai mis un petit peu de truc de lavande là ou je sais pas quoi. Ça égaye et ça fait un peu plus touffu. Et ça délimite bien aussi les parties. Donc là, vous voyez tout en gros plan, c'est un peu relou, mais après ça rend beaucoup mieux. Je me suis dit, est-ce que je fous. Voilà, je fais mon petit choix pour les tables de pique-nique, puis finalement j'ai trouvé celle que je voulais, toujours dans l'espèce de brun clair. Qui rappelle un peu les palissades. Voilà, la petite aire de pique-nique avec les tapis de sol du kit bambin, je crois. Hein. Voilà, je me suis dit non, je vais rajouter les tentures, mais en fait non, et j'ai rajouté une petite glacière. Voilà. Et je me suis dit ouais, mais tant qu'à faire, autant mettre un truc de glissade. Hein. Ça c'est pas plus mal. Hop là. Alors ici c'est le coin plus zen. C'est le coin méditation, c'est le coin yoga. On est pas mieux quoi. Enfin voilà, vous pouvez venir pique-niquer, jouer avec les enfants. Vous pouvez aussi venir méditer. Vous avez un coin un peu plus sportif aussi après qui va venir. Non, ça non. Voilà, table d'échecs. Ici c'est plutôt le coin calme. Hein. On joue aux échecs, on fait du yoga et on médite. Je trouve que c'est pas mal aussi pour peut-être vos Sims qui n'ont pas ça chez eux. Ils viennent dans le parc, ils ont énormément de choses à faire. Et moi, ça me plaît plutôt pas mal. En fait, je trouvais que ce parc-là sera full activity. Et c'est vrai que je vais sûrement le mettre dans mes parties. Peut-être le gli. Surtout le gli. Et puis, on va y aller quelques fois, quoi, histoire de faire du patin, comme ça. Après, si vous voulez changer, mettre truc de patin au lieu de. Enfin, les trucs de patin à glace au lieu de patin à roulette tout court, vous pouvez. Hein, de toute façon, c'est libre. Hein, vous pouvez le télécharger et changer au gré des envies, au gré des saisons. Mais je me suis dit, il y a quand même plus de chances et plus de fois où il y a possibilité de faire du patin à roulettes que du patin à glace en fait. Alors j'ai commencé à foutre des arbres un peu partout, dans tous les coins comme ça, les coins des allées et tout ça. Je me suis dit, oh, c'est très sympa et tout ça. J'ai foutu des petites fontaines. Ça commence à prendre vraiment place. Les petites poubelles aussi, parce qu'il ne faut pas oublier de garder le parc propre. Ici, j'ai voulu faire donc une deuxième. Un deuxième abri, enfin entre guillemets abri parce que c'est pas vraiment un abri, c'est un kiosque. Voilà, j'ai juste galéré
pour le toit, parce que malgré qu'on ait les toits en 6, 5 et 8 côtés, j'ai trouvé que ça collait pas à ma structure. Donc j'ai commencé à foutre un truc rond avec un truc point avec à côté dedans. Je sais, bon, c'est bon, ça reste. Et donc j'ai créé un kiosque. J'adore ces petits trucs-là. Je trouve que c'est hyper charmant quand il y en a dans les parcs. Voilà, avec des petites. Toujours le même thème des pierres. Hein. Je trouve ça très joli avec toujours les couleurs un peu brun clair. Donc j'ai mis un piano, comme vous avez vu. Et là. Je fais un abri en dur, donc c'est pas un kiosque, c'est pas de nouveau un kiosque. Donc j'ai relié le kiosque avec les allées. Ah non, mais c'est tout fait bien. Moi je suis quand même contente, alors que je partais juste de l'idée centrale, une fontaine centrale sur un terre-plein rond. Voilà, j'ai commencé à faire tout ça et donc je suis assez contente. Vous voyez là, je regalère, hein, c'est ce que je vous avais dit, je vais galérer avec les trucs. Et là, donc, je fais un abri. Donc, au départ, je voulais faire un truc vraiment fermé. Puis, je me suis dit non, avec les arches comme ça, c'est plutôt pas mal. Avec aussi les fenêtres du pack de la jungle. Je trouve ça très joli. En fait, ça laisse passer la lumière, mais c'est à côté intimiste un petit peu quand même. Toujours dans ces tons brun clair. Et j'ai foutu des beaux canapés et fauteuils. C'est vraiment l'endroit le plus... cosy et fermé, sans être fermé. Je pense qu'en plein hiver, par exemple, vos Sims, s'ils neigent, s'ils ont froid, s'ils sont glacés, ils viennent là et ils seront au chaud, entre guillemets, parce que de toute façon, dès qu'ils sont dans un endroit, même si c'est pas fermé par une porte, ils seront quand même mieux. Ils pourront toujours avoir froid, mais ils seront mieux. Et puis alors, la table est magnifique, cette table au milieu, ça fait partie de la dernière mise à jour, je pense, elle est vraiment superbe. Et donc là, j'ajoute des petits pots, puisque je me dis, ça a un manque de plantes, ça manque de fougères ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fous des plantes, des fleurs et des fougères. Alors, les fougères, pour moi, ça regroupe tout. Hein, ça regroupe les plantes vertes, les fleurs, tout ce qui est plantes, en fait. Hein, donc. Un peu plus de couleurs. Alors, moi, j'aime bien prendre les trucs du jardin, les réduire, les agrandir pour les mettre dans des pots. Je trouve ça vachement sympa. Regardez, celle-là, je l'ai vraiment réduite et tout, mais elle est très mignonne. Et voilà, et ça fleurit, ça donne déjà un ensemble un peu plus, voilà, cosy, tout ça. Les petites... qu'est-ce que ça veut dire? Je sais plus. les lampes, c'est des chandelles. Voilà. Pareil, je relis l'abri avec le truc de patin. Et là, on relie encore une fois, histoire de... Comme ça, voilà. Les allées, elles sont pas tracées pour rien. Vous voyez qu'en plus, je fais des pièces parce que comme je vais tout surélever, ça va rendre vraiment le truc un peu plus travaillé dans le sens où ça va ressortir. En fait, il y aura plus de relief et je trouve ça beaucoup plus joli. Alors, je me suis dit, tiens, un massif de fleurs, pourquoi pas? Sauf que bon, j'ai fait une espèce de massif de fleurs grosse boule que j'ai pas plu. Puis je me suis dit, tiens, et si je commençais à... Voilà. À foutre des fougères comme ça tout le long des allées et tout. Au début, je m'étais dit non, mais en fait, j'ai trouvé ça super beau. Et ça délimite encore plus, ça amène encore plus de relief et tout ça, donc j'ai commencé à en coller partout, comme vous pouvez le voir. Mais effectivement, des fois, ces buissons, ils étaient trop longs. Donc j'ai dû les réduire, mais après j'étais embêtée parce que ça zazait et que c'était plus la même taille, donc ça m'embêtait. Là, j'ai commencé à foutre des sapins à chaque coin, à chaque tournant, en fait, qu'il y a dans les allées. Là, je retouche à ma fougère, hein, j'ai une espèce de terre plein de fleurs. Je me suis dit, ok, non, mais tant qu'à faire, on va lui donner une vraie forme. Alors, je me suis dit, tiens, une forme hexagonale un peu, ce sera mieux. Voilà, déjà, ça ressemble plus à quelque chose. Puis je me suis dit, tiens, bah, je vais mettre des bordures. Bon, ça dépasse, je remets. Ça sera un peu moins fouillis. Puis en plus, avec une bordure, ça sera beaucoup plus joli. Puis je me suis dit, bah, attends, je vais le coller de l'autre côté du parc. Oui, mais dans ce cas-là, il faut que j'en fasse une pièce. Donc, je commence à l'entourer. Voilà, j'ai mis des petites barrières comme ça qui coûtent rien dans le mode triche. Je copie-colle ça plus loin. Voilà. Je relie, j'oublie. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de relier les toilettes par des allées. Vous inquiétez pas. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que ça passe pile entre les arbres que j'ai foutus. Donc ce coin-là, il doit être vraiment sympathique quand les Sims les empruntent. Quoi. Vous voyez, un peu le truc un peu romantique avec les arbres et tout. On est un peu à l'ombre. J'ai un peu triché, j'ai rajouté des carreaux de... parce que c'était un peu trop loin au niveau des buissons.
Et ouais, non, voilà, c'est super mignon. Là, pareil, je relis, il y a une porte, donc je relis. Je fous encore mes buissons, et ça remplit quand même bien le truc, hein. Et alors, je me suis dit, mais ces buissons-là, un à un, en fait, si on les réduit une fois, ils font le game, en fait. Ils peuvent remplacer les autres. Alors là, comme ça, je commençais à virer tous ceux que j'avais réduits pour mettre les individuels. Alors, voilà, comme ça a rempli. Hop, là, je retouche à mes fougères. Là, je me dis, mince, je me dis, mais tiens, c'est pas vraiment symétrique, en fait. Il y a une partie qui est un peu plus large que l'autre au niveau de l'espacement, en fait. Donc j'ai dû. Bon, c'est pas vraiment hyper symétrique, hein. En même temps, c'était pas prévu. Mais je trouve que ça rend quand même pas mal. Là, voilà, je continue la petite allée, mais elle ne finit pas parce qu'on est dans l'aire de jeu. Donc elle va finir comme ça. Une fois après, les Sims enfants, ils sont lâchés dans la nature. Pareil ici, je vais commencer à faire des allées, mais je ne vais pas les finir puisque moi, ce que j'adore faire dans les parcs, et vous savez, j'ai quelques petits parcs à ça déjà, hein. Déjà que j'adore faire les parcs, mais ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. C'est une partie pour les mariages. J'adore faire des parcs pour les mariages. Je sais pas pourquoi. Je trouve que avoir un magnifique décor en plus, les arbres et les plantes et tout dans les Sims avec les saisons, les couleurs dans le ciel, tout ça rend les choses tellement belles que je me suis dit il faut absolument qu'il y ait une partie magnifique avec pour faire son petit mariage dans le parc. Donc la dernière, voilà. Cet endroit-là avec l'arbre rose, ce sera l'endroit où je vais inclure la partie mariage. Donc en plus avec l'arbre et les lanternes, ça fait super joli. J'ai hésité, hein, j'ai gardé quand même vert. Je voulais le foutre violet, mais je me suis dit ouais, mais non, mais ça va me plaire qu'à moi. Peut-être qu'à vous, ça vous plaira pas. Alors j'ai foutu, j'avoue, deux arbres à crac-crac et à pipi. Bon, après, comme ça, vos Sims, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent dans le parc. Là, je commence à mettre des bancs en face. Je me suis dit non, juste deux. C'est vraiment un truc intimiste en fait, vu qu'il n'y aura pas de quoi faire vraiment une fête. C'est pas comme mon parc avec l'église que j'ai déjà fait pour faire les mariages. Oui, bah, j'aime beaucoup les mariages. Je sais pas pourquoi. J'ai une espèce d'obsession mariage. Obsession parc-mariage. Et donc voilà, c'est plutôt le côté intimiste. En plus, il y a le piano pas loin. Ça peut faire. Vous engagez un pianiste, il vient, il joue pas loin. C'est joli, tout ça. Là, je rajoute quelques arbres, quelques fougères, histoire de rendre le truc un peu réaliste. Et oui, j'ai pas fini, il me manquait une aire, et là, ce sera l'aire un peu artistique. Donc, vous avez deux chevalets et un endroit pour jouer de la guitare, tout ça, faire mendier. Et le côté sportif avec deux paniers de basket. Et puis, je rajoute quelques petites choses. Quelques petits lierres là sur cet abri là. J'en ai pas mis partout, je voulais pas que ce soit trop. Je rajoute des bancs haut dans les allées et à le côté où je commence à mettre les lumières pour la nuit et j'ai pas résisté aux petites guirlandes de lampions là des saisons. Je trouve ça super joli et puis voilà, au moins ça entoure aussi pareil. Il n'y en a pas ailleurs, hein, c'est juste sur ce tour là du parc. Bon, c'est pas forcément symétrique parce que vous avez vu, il y a des allées qui se pointent ou pas. Donc, et après, j'ai mis encore les poteaux pareil des saisons un peu partout. Histoire de donner de la lumière. Et ça rend plutôt pas mal. On va pas se mentir. Je retouche à ce toit. Et en fait, d'un seul coup, il allait bien. Vous allez voir que, ah bah oui, d'un seul coup, il fonctionne bien. Et puis je retourne avec ça, c'est vrai que ça avait sauté, hein, je vous avais prévenu que la frise de ce truc-là, j'allais galérer à le faire. Et je me suis dit, bah attendez, je vais rajouter, mais en fait non, quand je supprime les murs, ça supprime la frise. Parce qu'en fait, comme les allées sont reliées les unes aux autres en tant que pièces, ça ne fonctionne pas pour la frise, mais j'ai essayé, hein. J'ai essayé, et puis finalement j'ai trouvé une frise qui fonctionnait, qui n'était plus du tout la même, mais au moins elle faisait le tour devant, pas derrière. Et oui, on peut pas tout avoir, je suis pas encore super douée. Vous voyez, là, il y a une frise devant, et j'arrive pas à la mettre derrière. Puis je me suis dit, bon, bah alors dans ce cas, c'est pas grave, on va garder celle-là, et puis je vais la mettre sur l'autre bâtiment. Bah oui, mais non, sur l'autre bâtiment, ça ne voulait pas non plus. Donc j'ai dit, mais ça m'énerve, je vais laisser ça comme ça, c'est pas grave. On va pas se prendre la tête pendant 10 ans. Donc là, j'essaie de voir, je replace un peu compagnie.
Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas foutre des ruches aussi, tant qu'à faire, sur le côté. Pas au plein centre, parce que sinon ça va attaquer nos Sims. J'ai rajouté une petite boutique là pour de boissons chaudes. Histoire que en été, ou même surtout en hiver, si vous allez, vos Sims pourront se prendre une petite boisson tranquillement. Bon, après, ce parc est vraiment fait plus pour l'été, hein. On va pas se cacher. Peut-être que je réfléchirai à un parc fait pour l'hiver, mais pour l'instant, je n'y suis pas. Ah, on arrive à mes petits parterres de fougères, de fleurs, là, que je vais commencer à faire pour un peu structurer l'ensemble. Je vais en foutre, du coup, dans tous les espaces un peu vides de verdure, de pelouse qui est entre les buissons. Et je trouve que ça structure un peu plus. Par contre, effectivement, il n'y a pas de symétrie. Donc, si vous êtes une symétrie freak, passez votre chemin. Parce que voilà, c'est pas forcément le même. Voilà, j'avais un peu plus de place, donc je l'ai fait un peu moins allongé. Et voilà, et puis je l'ai refait à côté. Voilà, j'ai remis les petites fleurs. Voilà. Enfin, c'est tout simple à faire. À un moment, ça structure. Je me suis dit, bah, tiens, celui-là, t'as qu'à faire, je vais l'allonger. Ici, un peu de fougère, juste comme ça. Sans parterre, bah non, parce que c'est le bord du truc. Là, par contre, j'ai refait un petit hexagone. C'est un hexagone ou c'est un octogone? Ouais, je sais plus, j'ai pas eu le temps de compter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4. Oui, bref. Vous me direz dans les commentaires. Là, je vérifie donc. Les lumières d'hiver. De nuit. Ça passe. C'est joli. Tout est plus ou moins éclairé. Ah bah non, finalement, je remets des petites fougères ici. Ici, je rajoute genre des bougies, des petits trucs pour ajouter de la lumière. Même si on a la lumière des lanternes derrière. Comme là, vous pouvez vous marier à n'importe quel moment de la journée, ce sera allumé. Place quelques pierres, quelques fougères, histoire de la peinture de sol pour faire pas que ce soit trop surréaliste, hein, bien sûr. Et on arrive sur la fin de la construction et je vais tout surélever les fondations. Voilà, tout est surélevé. Et sauf ça, parce que je trouve ça pas joli, mais en mettant la truc de fondation, ça rendait mieux. Donc voilà pour le petit parc de la Fontaine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, il est disponible dans la galerie dès aujourd'hui. En attendant, moi je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Let's Play. Beaucoup de choses. Allez, salut!